Testic. Ah, c'est pas grave. C'est un meme, je fais ce que je fais par exprès. Elistis. J'entends mon nom. Non. Donc, chat, tout va bien, je m'occupe encore de vous autres. Chat, c'est seulement il est mort. C'est comme ça qu'on enlève le message. Ah, ben écoute, la magie. On vient d'apprendre des choses sur notre stream. Yep. Donc, est-ce que c'était un bottom check? On va bientôt le savoir. Donc, non. Un match-up que j'ai jamais vraiment vu. Diddy Kong contre Corinne. Ouais, mais c'est assez rare aussi de voir des Diddy Kong. Genre, personnellement, là, genre, en stream. Diddy Kong. Encore là, le Diddy de Dead, il l'a lâché pendant un bon bout avant de le reprendre. Puis là, ça veut dire que dernier set, d'après moi, il a dû prendre son Toonling. Puis il s'est rendu compte que son Toonling, ça marchait juste pas contre elle. Fait que là, il joue son Diddy, espérant que ça aille un peu mieux. Puis, tu sais. Alex, c'est pas le genre de gars qui va juste main une personne, t'sais. Il est capable de main plusieurs. En ce moment, Elor qui garde la banane en main, il veut pas que Dead puisse la ressortir. Finalement, il a pu faire une bonne banane utilisation de la banane. Hard smash. Effectivement. C'est du très beau pourcentage. Donc, jusqu'à maintenant, Dead joue une très bonne game, il conteste pas trop, puis tout ce qu'il fait, c'est super Dead, sécuritaire. Il attendait après sa banane, parce que je pense que lui, sa stratégie, ça va d'appliquer de la pression pas mal de distance avec sa banane. Ok. Ça fait beaucoup de shield pressure avec son command grab, sa banane. Ouais, puis il y a beaucoup de fois. Ben, l'affaire aussi, c'est qu'il y a des follow-up en masse avec sa banane. Il est capable de faire beaucoup de choses avec. Donc, il y a des kill setup. Non, c'est... Oh. Mais là, lui, il laisse pas faire ça. Par exemple, tu vois qu'il ramasse toujours la banane, il se fait jamais avoir. Donc, il n'y a pas d'essai de Edgeguard à la porte de Elor. Un petit neutral air, ça aurait très bien pu détruire ce tonneau-là. Ce tonneau-là, c'est le jackpack de Lady. Oui, effectivement, parce que donc, une fois que Lady se fait toucher par ça, c'est. Il voulait tout de suite aller chercher la banane. Il veut vraiment pas. Oh laisser. Non, ça pardonne pas. Ça non. Pardonne pas. Et donc, Dead qui start encore, qui start déjà la game avec un désavantage. Là, il va falloir qu'il se débarrasse de la stock. Donc, normalement, ça va être une question de temps. Je pense Dead. Actuellement, Dead a pas de la difficulté à aller chercher les stocks. Ouais, c'est ça. Là, non. Il va avoir un punish, c'est sûr et certain. Même pas. Non, il a essayé le force smash, mais non, c'était pas la meilleure option. Dodge ou quelque chose comme ça. Ou aller chercher un grab ou quelque chose du genre. Mais c'est grab, il tue pas. Fait que... Oh, ça, là, ça tue. Ça va tuer. Même pas. On est sur Fight Battlefield. À 143%, ça tue. C'est pas. Ce que je parlais, c'est les setups de la banane. Donc, Dead qui pensait pas que Elor l'avait shieldé. Mais, Donc, qui abuse beaucoup son shield en ce moment, il veut vraiment pas de pression. Oh. Et le bon punish de la part de Dead, il y a un désavantage à 47%. Il va falloir qu'il remonte ça. Mais ça va se remonter assez vite, je veux dire. Didi, low pourcentage, il y a beaucoup de combos qui sont quand même assez faisables. Il est déjà remonté de 40%. Ouais, c'est ça que je dis justement. T'sais. Complètement raison. Mais tu sais, quand une personne est 0, 80%, c'est pas, ça veut pas dire grand chose parce qu'on peut monter assez vite les pourcentages. Donc ça s'est égalisé, même que Dead reprend un peu l'avantage. Et ouh! Donc Ella qui essaye avec la tentative de Edgeguard. Ça fait piner par exemple. Plus rapidement. Pour réussir à venir. Il a des meilleurs kill options, si je peux dire. Ça tuera pas encore. Dead va falloir qu'il fasse attention. Donc par exemple. Il ne tuera pas. Et là, qui garde le stage control, il se laisse vraiment pas faire, puis il s'arrange pour avoir un maximum de temps, genre par exemple, il se fait poigner par la banane, mais il n'y a pas de follow-up, et ça, va être le neutral B qui va prendre la game. Ouh. C'était vraiment serré comme game, mais comme je vous ai dit, Corinne, avec toutes ses kill moves, a réussi à aller chercher le. Là, il faudrait mettre par exemple les points. Hein. Puis là, c'est un best of 5, si je me souviens bien. C'est bien ça? Ouais, c'est un best of 5. Donc, Elod qui est rendu à 2-0. Donc, 1-0. 1-0? Ah, c'était la première game? C'était pas la première game, c'est la première game. Ah, ouais? Ok. C'était la première game? Je pense que ouais. Ouais. Yo, what? What? Yo, what? Is it for real? Oh, ok. Ouf. Je pense qu'il y a un misinput. Peut-être trop de presse de la part des deux joueurs. Hey. Donc on voit vraiment la coupe de cheveux à Elor qui est tournament ready. C'est que t'as avec les cheveux aujourd'hui toi? Moi ils sont pas prêts, tournament ready. T'étais pas quoi, ready? Toi ta moustache est tournament ready. He wasn't ready! Moi j'étais pas prêt. Je suis jamais prêt en fait. Mais quand je vais pick up Chic, je vais être prêt.
Garde ton Yoshi, hein, il est bien safe. Man, j'ai décidé de Pikachu. C'est qui dit Zelbo? Oh. Merci, Ama. Ah, oh, va-t'en, Ama. 5 piastres, best of 5. TG Ama, je te rec. Dead, il va avec son Ryu, genre, je veux dire, il est bon son Ryu, mais est-ce qu'il va vraiment, genre, réussir à y aller avec dans la game avec Ryu, genre? Non, on voit que Lord, il a tout de suite l'avantage. Je sais pas si c'était le bon choix de la part de Dead. Personnellement, je veux pas être méchant, mais j'ai des doutes envers le Ryu, genre, de Dead, mais non, on sait jamais. Hammerstache qui trash talk dans le chat, merci. Shoutout, c'est tout Hammerstache. Et le beau Forest Smash qui va faire mal à Ryu. Et oh! Sérieusement, la part de Lord en sur le complète dominance en ce moment. Il a réussi non. à avoir le. Vois-tu, c'est ça que j'avais peur. Genre, là, il va jouer safe. Il va rester sur le ledge. Il va attendre que. Ouais. Tu peux voir que. Tu sais, Elord, il conteste pas gros. Genre, il fait pas grand. Oh, bon, un bon perfect shield. Approcher Elord, c'est très difficile. C'était pas un perfect shield. Il est très passif. Il attend tes erreurs. Ouais, mais c'est parce qu'on est rendu à ce point-là, il n'y a rien à contester. Hein. Genre, pourquoi il contesterait quoi que ce soit? Oh, ça par exemple, c'était peut-être un peu. Oh, avec le don d'air en plus, don d'air qui était pas plus sécuritaire. Donc, attrape Ryu en plein saut. Ça fait hiter en plus par la boule d'eau électrifiée parce que, tu sais, Corinne, c'est un dragon électrique. Donc, oh, smash de la part de Dead, mais le pourcentage de Corinne sont juste pas là. La part de Dead, sérieux. Il a réussi à sortir de là rapidement. Oh, damn! Est-ce qu'on smash into true Shoryuken. Let's go, baby, let's go! Est-ce que vous croyez au comeback, tout le monde? Est-ce que vous croyez au comeback? Tu parles à qui, là? Au chat. À moi? Ben, tout le monde, on fait pas un stream pour rien. Oui, mais... Oh, ça, c'était très lourd, mais... Dead qui a fait un beau... Et l'autre qui a mangé beaucoup de pourcentage, qui est déjà rentré à 70%. Qui a fait un beau comeback, sérieux, un beau download. Ouais, donc finalement, genre, Dead, c'est juste une question d'adaptation, il semble. Mais Forest Smash qui va se faire punir. Oh, ça va être puni. Non, ça va être puni par un grab. Donc Smash qui va pas aller... Don't Throw qui va pas aller chercher le kill, par exemple. Oh, ça c'était pas sécuritaire. Ça, c'est encore moins sécuritaire. Oh! Dead qui a de la misère à... Ça fait punir. À sweet spot le ledge. Let's go. Don't Throw, par exemple, va aller chercher la stock. God damn. Donc, c'est 2-0. Des choses très unsafe de la part de Dead. Peut-être qu'il voulait... Est-ce que je veux dire, tu manques un peu d'émotion, là. Fais ressortir un peu la hype, là, je veux dire. Et c'est Dead, oh, il va chercher il va se faire piner. Donc, oh, et c'est un grave. Et ah, ça va être le up throw qui va aller chercher la game. Tu sais, je veux dire, mets un peu d'intonation. C'est hype, là, je veux dire. Et l'autre contre Dead, là. Come on, baby, come on! Donc, on voit Dead qui va sortir son Meta Knight. End game, mon gars. Donc, Davom qui dit que. Qui mise sur Elord encore. Dead, il nous a sorti un gros roster de tous ces personnages qui jouent. Et on dirait qu'il essaye de n'importe. On dirait. Est-ce que tu penses qu'il. Est-ce que c'est encore sérieux ou tu dis juste que. Genre, il essaye un peu tous ces personnages. Puis, moi, je pense que. Parce que si. Selon moi, s'il serait, genre, vraiment. Genre, d'après moi, il devrait plus commit avec son Toonling, genre, s'il voudrait vraiment. Genre, je pense qu'il y a quand même des bonnes chances, puis, tu sais, j'étais pas là pendant la première game, mais je me doute qu'il a sûrement pris son Toonling, mais tu sais, il me semble que la chose sécuritaire, dernière game, ce serait, genre, vraiment d'aller chercher son main, puis... Oh! Ça va tuer, donc on voit que Pick-up Meta Knight, finalement, a bien fait. Oui, effectivement, effectivement. Moi, j'ai presque pensé que c'était peut-être un pre-John, c'est pour dire, ah, oh, j'ai pris Meta Knight. Oh non, Alex, c'est pas ce genre de personne-là. Ben, Alex, c'est du genre à sortir des John. Mais non. Beaucoup. T'sais, tantôt, il m'a battu, puis c'était last hit, puis il m'a sorti un John. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'était last hit. Ok, je vois genre. Donc, Meta Knight qui se ramasse à 100%, mais Meta Knight est un personnage assez léger, donc rendu là, ça en prendra pas gros. Un smash devrait faire l'affaire normalement. Et donc, c'est là qui garoche des graves. Essaye de piner. Qui shield beaucoup, ce qui est très bon à ce pourcentage-là, parce qu'il est pas encore à kill person pour le throw. Essaye d'y aller pour le ledge storm, ça va pas marcher. Oh, super beau read. Il a readé le back. Donc, le back row. Oh, le force smash, est-ce que ça va tuer? Oui! Oh, damn! Avec juste assez de rage, juste le bon pourcentage. Il était où le DI? Il était où le DI?
Il y avait un dièse, je crois. Mais non, ça veut dire qu'il était à 75%. Mais il y avait de la rige. Oh, I see. Donc, on voit la... Oh, shit, par exemple. Ready. Hey, super bien joué. Oh, Dead, il a trouvé le personnage. Ça a pris une couple de shots, mais... T'sais. Non, mais je pense que Elord a encore des cartes dans son jeu. Oui, oui, elle tu vas pas tomber aussi facilement. Peut-être ça. Qu'on va voir le Reverse Trio on donc, stream. Tout le monde, je veux du hype pour le... Ça va être Omega of Castle Siege. Let's go. Omega of Castle Siege. Oui. Donc, ça, comme t'as de la part d'Elod. On voit que c'est un vrai fan de Fire Emblem. Ah, ok, ouais, je comprends maintenant pourquoi. Là. J'étais comme, peut-être le stage. Comment il est fait? Oh, ouais. Donc, va aller punir le Neutral B d'Elod. Bro, grab into up smash. Oh! Et... comme tu vois, il y a encore essayé de l'Estrom, mais pas réussi, ça... Oh! Oh, ça va faire mal! Oui. Avec Dead, qui est un personnage très léger, Meta Knight. Il utilise son Don't B pour la première fois, mais Don't B qui ne réussit pas à connecter, donc... là, essaye de revenir sur le stage, ça va un peu moins bien. Donc, on voit tout de suite que le Counter's Pick, il est déjà en Corinne. Et Lord qui fait son spacing. Ben, je veux dire, c'est pas une mauvaise map aussi pour Meta Knight. Oh, et ça va tuer encore! Another one! Another Sakurai, one! Sakurai va être obligé de repayer! C'est pas supposé marcher cette affaire-là! Hein. C'est plus supposé marcher! C'est plus supposé Merci marcher! Merci Sakurai! Dead qui a. C'est sûr qu'elle a lapé ce personnage-là après le patch! Sakurai! Oh! Ah, je pensais qu'elle allait encore string les Hoppers, ça va être incroyable! Sérieusement, les strings de Dead qui. Oh, oh le SD par contre! Par contre, un SD, fait pas le B de la bonne direction, ça va coûter un stock donc. Le gros respire de Dead. Faut pas qu'il se laisse décourager pour ça. Et là, dans son fond intérieur, il se dit Super beau là. Le spacing de Dead est on point en ce moment. Je dirais que le spacing de Lod aussi, genre, il fait assez bien ça. Puis tu vois qu'il est pas agressif en ce moment là. Il joue vraiment défensif, il recule, tu sais. Il garoche des neutral bait, tu sais. Il essaye pas d'aller vraiment contester la game. Puis. Là, c'est une question des... Oh! Bon, par exemple, Side B qui va connecter. Puis là, sérieusement, le Corinne à Elord qui commence à... Ça va être fini par un smash. Mais donc. Le Force Smash qui ne connectera pas. Elord qui commence à avoir chaud. J'ai oublié de rajouter le point. Oui, pour rajouter le point aussi. Donc, si Dead y va avec ça, ça va être match point. Dead qui essaye encore de l'Estrom, mais réussit pas à connaître... À prendre le ledge. Mais souvent, il va souvent y aller pour le ledge drum. Oh, smash, mais pas assez haut. Pas son genre d'y aller pour le ledge drum. Il va plus essayer de cover les options. Donc, ça va être un dash attack. Dash attack et drop B qui va pas connecter. Un ça va être fini par deux fers de la part d'Elod. Elod qui prend le grab, mais Metanite qui a pas beaucoup de pourcentage. Donc, ça va pas vraiment faire grand chose. Aucun follow-up non plus, donc... Lord, il attaque Meta Knight, il avance, mais... Mais Meta Knight, il n'y a aucune... Ça devrait être l'inverse, parce que c'est lui qui est en percentage. Oh! Et le kill avec le Hobby. Hobby, toujours des Hobby, mon gars. Je veux dire... Another one! Donc, another en deux one. Games, 4 stocks, 4 Hobby. C'est ça qu'on veut. 4 stocks, 3 Hobby. Il y a eu un smash avec la Rage. Désolé, chat. Je me suis trompé. Damn! Donc, d'abord... qui trouve que la musique était hype, mais ça arrivera pas. Hey, on a quand même Dead qui nous sort un Hidden Pocket Meta Knight. Là. On connaissait pas l'existence de ce Meta Knight-là. Hein. Ben, je savais qu'il y avait un Meta Knight, mais je savais pas qu'il y en avait un après patch. Mais moi, je savais pas non plus. Je savais pas qu'il y avait un Tournament Ready Meta Knight non plus. Là. Oh, on voit le Pocket Mewtwo de Elord. Elord qui a labé beaucoup ce Mewtwo depuis Abadengo. Donc, Mewtwo qui est un personnage excessivement défensif, donc c'est il vraiment... Il est difficile à Elord. Elord est très défensif. Oui, donc ça y va très bien aussi. Donc, et il y a un gros pourcentage Dead, sur Meta Knight. Très agressif en ce moment avec son Meta Knight. Ça porte à ses fruits, il a réussi. Il va peut-être faire le Reverse Trio. Donc, deux personnages qui sont assez légers. Dont, normalement, on devrait pas voir genre le match s'éterniser ou avoir beaucoup de... Genre, les personnages se monter à haut pourcentage. Donc Dead qui chargeait un smash espérant que Elod recover high, mais finalement il va pour le ledge. Bonne décision de la part d'Elod. Donc charge sa Shadow Ball avec ça. Oh, Hobby par exemple. Hobby qui ne tuera pas. Donc comme toujours, dash attack into. Oh, dash Mewtwo attack into Hobby. Il commence à monter d'un pourcentage. C'est un glass cannon. Fait que ce personnage-là, il va mourir très facilement. Mewtwo qui est pas capable d'avoir un neutral game vraiment. Et Hobby qui va encore tuer. Le hype est réel. Est-ce qu'on va voir? Another one. Est-ce qu'on va voir le reverse trio de Dead?
Elord va empêcher ça. Là, je veux dire, en ce moment, c'est ça. Je veux dire, ça a l'air d'être parti pour un 12 stock là. Je veux dire, up beer. Ça va être pigné ensuite par Elord. Oh le up. Le down B qui va pas connecter. Mais quand même, qui place Dead dans une belle position. Ouh, ouais, donc Dead qui conteste pas plus que ça, genre. On voit qu'Elord ne connaît pas tout le match-up. Another one! Yes! Qui va chercher la game! Wow, super bien joué, Meta Knight! C'est fait sauver! New main! Par le up-beat de Meta Knight! Super beau!